D'abord l'intérêt parce que c'est dans ce bourg, et ensuite parce que c'est le couple, qu'on vit en couple, qu'il peut y avoir des hauts, des bas, des choses qui changent continuellement dans un couple, et qu'il est peut-être bon de savoir ce que les autres sont, font, dans une situation ou dans des situations identiques. Le couple est une aventure extrêmement difficile et dangereuse. Je crois qu'à tout moment, il faut se remettre en question. Et donc, pour moi, c'est toujours très bénéfique de pouvoir visualiser parfois des mises en scène comme ça qui fait rejaillir ce qu'on a peut-être ressenti à certains moments dans le couple. Je me suis dit que c'est une bonne occasion, opportunité pour venir voir, plutôt que d'avoir un long discours, mais de mettre des gens devant leur propre miroir, qui va quelque part sur scène leur présenter les écueils habituels dans lesquels on tombe quand on est en couple. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est l'évolution depuis l'époque de nos grands-parents jusqu'à maintenant. Parce que pour moi, le couple est une entité sociale, mais aussi une entité, je dirais, spirituelle, d'évolution de l'être humain. On se connaît depuis peu, donc c'est un petit peu nouveau, puis c'est rigolo. Et puis, ben, je connais Thomas et c'est son jeu d'acteur, donc je me dis qu'on va bien s'amuser. Je ne sais pas tellement bien vers quoi nous allons nous diriger dans la conférence, mais c'est très gai, je vais découvrir. Pourquoi un couple aussi conflictuel que le nôtre continue à fonctionner après 20 ans. Bonsoir. Bonsoir. Dominique et moi, on est bien touchés de vous accueillir ce soir. Une salle aussi remplie, ça nous impressionne un peu. Pour une nouvelle conférence qui va s'articuler autour d'un texte de Guy Corneau. C'est un texte que ceux qui ont lu « N'y a-t-il pas d'amour heureux ?» reconnaîtront sans doute trois petites scénettes qui s'appellent « Elle et lui ».« Elle et lui sur canapé »,« Elle et lui dans de beaux draps » et « Elle et lui en vacances ». Heureusement, ça termine bien, rassurez-vous. On ne va pas vous laisser avec un couple éventré. Alors nous allons, autour de ces scénettes, les jouer. Ce sont deux monologues, on va les jouer comme monologues. Et puis nous allons tenter de les décoder en communication non violente. Pour tenter d'aller voir ce que ces deux personnes tentent de s'exprimer derrière une pauvreté de langage qui est souvent coutumière. Alors je suis heureux de vous présenter Dominique, qui est comédienne. Et j'ai rencontré Dominique parce qu'elle a eu la bonne idée de faire part de ses besoins. C'est-à-dire qu'elle a un jour envoyé un mail à toutes les personnes qu'elle connaissait en communication non-violente en disant « Voilà, je me forme à la communication non-violente, ça m'intéresse beaucoup. Par ailleurs, je suis comédienne. Je vois très bien comment on peut mettre en scène des situations pour les faire comprendre ou les vivre mieux. Si ce talent peut être utile à quelqu'un, je serais heureux de contribuer à un projet. » Paf, je reçois ça au moment où je me disais « Tiens, une petite mise en scène un peu plus étoffée que simplement... mes petites chaises, ceux qui connaissent mes conférences bon, savent que je fais une mise en scène avec deux chaises, mais je suis seul. Je rêvais de quelque chose un peu plus vivant, un peu plus étoffé, et c'est venu bien à point, et donc j'ai contacté Dominique, et puis nous voilà avec un projet. Alors merci Dominique de me faire cette confiance d'embarquer avec moi. Merci. Avant d'entrer dans les différentes scénettes, je vais vous proposer quelques notions de communication non-violente qui vont nous aider pour les décodages. Ce sera peut-être une redite pour les personnes qui, parmi vous, auraient déjà acquis ces notions. Ce sera peut-être un rafraîchissement de ces notions-là. Juste un petit propos sur le fait que, souvent, nous avons bien de la difficulté avec l'intimité. L'intimité dans la relation. Et cette difficulté avec l'intimité dans la relation a la plupart du temps trait à la difficulté pour chacun d'entre nous d'être en intimité d'abord avec nous-mêmes, dans une relation intime avec nous, c'est-à-dire avec les différentes parties de nous-mêmes, pas juste celle sur laquelle on tombe à l'évidence, là, mais celle qu'il y a derrière, puis derrière, puis derrière, puis ce qui se cache encore là, hein, avec laquelle on est peut-être un peu moins familier. Cette difficulté d'intimité avec toutes les parties de soi nous rend la relation avec l'autre dans l'intimité très difficile. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu que nous avons la plupart du temps cette difficulté à l'intimité, mais c'est que notre éducation, la plupart du temps, nous a invités à nous former dans notre mental, notre compréhension intellectuelle.
notre intelligence rationnelle. Et il est rare que nous ayons été invités à bien vivre nos émotions, nos sentiments, nos intuitions, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. La plupart du temps, notre éducation nous a, malgré ses belles intentions, tirés hors de nous. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut résoudre, il faut être actif, il faut agir sur le monde. Et la plupart du temps, nos formations, depuis la maternelle, nous ont appris à avoir une action sur le monde et on acquiert des métiers, des compétences, des capacités d'agir à l'extérieur. Quand ça se passe mal à l'intérieur, la plupart du temps, nous sommes mal outillés pour aller voir « mais pourquoi je me sens triste ? Qu'est-ce qui fait que je me sens défait, décomposé, impuissant, malheureux ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? J'ai tout à l'extérieur, un conjoint, des enfants, une maison, une voiture, même une sécurité matérielle. Et cependant, à l'intérieur, ça ne va pas. Comment est-ce que nous pouvons apprendre à nommer ça ? Eh bien, ça nécessite des apprentissages pour la plupart d'entre nous parce que nous sommes souvent coupés de nos sentiments. Coupés de nos sentiments, nous sommes également coupés de nos besoins. Or, les sentiments, c'est précieux, ce sont des clignotants sur un tableau de bord. Ça nous indique que des fonctions sont ou ne sont pas remplies à l'intérieur de nous. Et souvent, nous sommes assez clairs avec ça quand le sentiment est agréable, qu'on est joyeux, que tout va bien, qu'on est enthousiaste. On sait que c'est le besoin d'amour, de tendresse, de complicité, d'échange, de connivence, de bonne compréhension mutuelle qui est nourri et on le perçoit. Il est rare cependant qu'on le célèbre. On y reviendra tout à l'heure. Mais quand ça va mal, quand je me sens triste, défait, découragé, impuissant, seul, en rage, est-ce que j'ai la capacité d'aller voir quel est le besoin insatisfait en moi, à le nommer posément à l'autre et à chercher avec l'autre une solution ? La plupart du temps, quand ça va mal, soit je rentre tout à l'intérieur dans la cocotte minute, puis je serre bien le couvercle, puis comme ça reste sur le feu quelques années, ça finit par exploser de façon extrêmement agressive à la figure des autres. C'est la mécanique de la violence extériorisée. Ou la cocotte minute, à force de bon conditionnement, et si le couvercle est un peu solide, elle implose à l'intérieur de nous, et nous avons la mécanique du burn-out, de l'épuisement, de la dépression. C'est vrai que si je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, je déprime. C'est une mécanique qui s'enclenche. Donc, écouter les sentiments désagréables, se coltiner avec eux, ça n'est pas nécessairement confortable, mais ça nous permet de mieux nous connaître, de se renseigner sur nous, d'identifier nos besoins, et donc de les nommer de façon plus audible par l'autre. Et plutôt que de le dire « t'es une indifférente, puis tu ne penses qu'à toi !» de pouvoir dire « écoute, quand tu fais ça, je me sens triste et seule, parce que j'ai besoin d'être assurée que je compte pour toi, que la relation reste importante, est-ce qu'on peut s'en parler ?» Je me sens triste et seul, j'ai besoin d'être assuré que la relation compte pour toi, et je fais une demande claire, est-ce qu'on peut se parler ? Mais ça demande un peu d'écoute de soi, un petit peu de recul, un petit peu de temps consacré à se coltiner avec sa tristesse pour la comprendre. Parce que sinon, forcément, je suis toujours dans l'accusation et dans la grande capacité à dire les quatre vérités de l'autre, sans comprendre la vérité de ce qui se passe dans mon cœur à ce moment-là. Et c'est pour ça que dans notre petite mise en scène, nous avons des chaises à l'extrémité, où nous allons chaque fois d'abord décoder ce qui se passe en nous, avant de nous retrouver sur la chaise de l'échange et de la relation. Clignotant, disais-je, sur notre tableau de bord, sentiment renseignant les besoins, la conscience des besoins permettant de faire des demandes plus ou moins claires, je vous propose de voir qui ne viendrait à l'idée d'aucun conducteur de voiture, parmi vous il doit bien avoir beaucoup, de ne pas être vigilant à tous les clignotants de son tableau de bord, puisque ces clignotants ont été installés pour renseigner les besoins du véhicule. Un clignotant va dire « attention, tu as besoin d'essence », un autre va te dire « attention, tu as besoin d'huile ». Et donc, imaginez, un conducteur qui n'écouterait pas ça, ce serait fou. Alors regardez un peu, je suis dans ma voiture, et un clignotant me dit « tu as besoin d'essence », « mais non, tout va bien ». ».« Tu as besoin d'huile », « mais non, c'est pas grave, on se fout de l'huile ». ».« Attention, ton moteur chauffe », »« mais non, pas du tout, ça va bien ». ».« Qu'est-ce qui va arriver ?» Ben, vous imaginez bien, c'est le crash. Ou la panne sèche, ou la sortie de route. Alors imaginez simplement dans nos vies, on avance dans la relation, je me sens triste, mais c'est pas grave. Je suis en colère, mais non, ça ira, ça va s'arranger. Je me sens seul, défait, impuissant, mais non, tout va bien. Paf ! C'est la sortie de route, c'est l'accident, c'est la panne sèche. Alors on s'est surpris de se dire, oui, un petit entretien aurait fait du bien. Eh bien, c'est ce que nous allons proposer, un petit entretien. Et je vous propose d'emblée de nous retrouver
pour la première petite scène du texte de Guy Cordeau, elle et lui sur canapé. Il vient tout juste de rentrer du boulot et il s'est assis là, sur les canapés du salon. Après avoir enlevé ses chaussures, il bâille et s'étire. Tiens, il a beaucoup de choses à vous raconter ce soir. Il continue même de parler pendant que vous allez à la cuisine chercher des verres. Il porte la chemise qui vous plaît tant. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez choisie. Elle lui donne un air, un petit air qui vient alléger tout le sérieux qu'il attache à sa vie. Oh, vous adorez ces moments où il se laisse aller avec plus d'abandon, fatigué dans, au jeu de la conversation. Ce qu'il dit n'est pas particulièrement intéressant, non. Mais au moins, il parle. Il est en relation. Il parle et vous approchez du divan. Vous avez envie de l'embrasser. Comme ça, pour rien, pour célébrer le moment présent. Pour une fois, vous allez prendre l'initiative des caresses, au lieu que ce soit toujours lui, ce dont il se plaint amèrement d'ailleurs. Donc, vous approchez du divan, la cible est sensuelle, il vous voit venir du coin de l'œil, vous sourit, prend les verres, les pose sur la table. Il répond à votre premier baiser avec un plaisir évident. Mais plus vous insistez, plus ça se gâte. Vous devinez un malaise certain, vous décelez une certaine raideur dans tout le corps, une sorte de refus d'engagement. Il a toujours le sourire, mais son visage reste figé. Il a cessé de parler et prend son verre de vin. Visiblement, il est mal à l'aise et vous n'y comprenez rien. Ou plutôt, si. Mais vous n'aimez pas ce que vous commencez à comprendre. Lorsque vous prenez l'initiative, en fait, ça ne va jamais très loin. Ce n'est jamais le bon moment. Si ça se trouve, il va prétexter qu'il a mal à la tête. On dirait un petit garçon qui a peur de sa mère. Vous n'êtes pas sa mère, justement. Vous n'avez rien à voir avec sa mère. Vous n'avez plus qu'une envie. Lui renvoyer son petit chéri dans un paquet bien ficelé, avec une étiquette sur laquelle on pourrait lire « Marchandise endommagée ». Elle est rentrée du boulot avant vous, et son odeur est déjà partout dans l'appartement. Son odeur est la lumière du soleil qui entre à pleine fenêtre à 7 heures de la journée. Elle vous demande si vous voulez boire un verre de vin, et vous répondez pourquoi pas. Vous aimez quand elle vous sert quelque chose, qu'elle est de bonne humeur et pleine d'attention. Dans ces moments-là, vous vous sentez choyé, privilégié, et vous trouvez que la vie est belle. Pendant qu'elle va à la cuisine, vous lui dites un tas de trucs sans importance pour la faire rire et parce que vous savez qu'elle aime vous entendre parler. Vous lui parlez et soudain, vous avez envie de faire l'amour avec elle. Ah, si seulement elle pouvait faire les premiers pas. Si seulement elle pouvait prendre les devants comme elle ne le fait presque jamais, vous la mangeriez toute crue. Mais voilà justement qu'elle s'avance en s'offrant à vous. Fantasme devenu réalité. Pourtant, quelque chose ne va pas. C'est l'intensité qu'elle y met. Tant d'ardeur vous dérange. C'est comme si sa vie en dépendait, comme si son besoin d'affection était si grand qu'aucun homme jamais ne pourrait le combler. Elle a déposé son verre de vin et elle se serre contre vous en vous embrassant. Maintenant, elle veut vous entendre dire « je t'aime ». Ah non ! Puis ça recommence ! Elle veut vous entendre dire « je t'aime » tout le temps ! Mais vous devriez l'enregistrer sur cassette, comme ça elle pourrait l'écouter à longueur de journée ! La situation commence à vous irriter. D'où lui vient ce besoin d'affection, qui est comme un gouffre si profond que vous avez peur de vous en approcher, de peur d'y tomber ? Pas zut papa, qu'elle vous répond, immanquablement. Pas zut papa, comme si vous en avez eu un, vous ! Après le quatrième baiser, vous reprenez votre verre en espérant que votre malaise passe inaperçu. Mais avec son intuition, vous ne pouvez pas vraiment y compter. Alors, il ne vous reste plus qu'à renverser du vin sur le tapis, mais vous préférez plutôt aller aux toilettes afin d'avoir un peu de temps pour vous ressaisir. Le voilà encore qui se sauve.
Mais cette fois, vous n'allez pas lui courir après. Oh non, vous en avez assez. Vous en avez assez de cette indifférence d'homme. Vous en avez assez de faire la gentille fille. Vous en avez assez de lui préparer de bons petits plats et de jouer ses fantasmes au lit en échange d'une affection qui ne vient pas. Votre colère commence à monter. Et vous préférez vous taire. Parce que ce que vous avez à dire vous semble trop gros, trop méchant. Il y a 5 minutes, vous vouliez l'embrasser. Maintenant, vous voulez régler vos comptes. Si seulement il pouvait enfin sortir des toilettes. Dans les toilettes, vous vous reprochez votre attitude. Au fond, elle a fait tout ça pour vous faire plaisir. Et si vous suiviez son initiative pour une fois, si vous lui donniez l'affection qu'elle souhaite, ben, ça mettrait fin à cette petite guerre que vous vous livrez depuis quelques jours. Alors, vous retournez au salon rempli des plus belles intentions. Vous la retrouvez froide, cassante, distante, toute ramassée à l'autre extrémité du canapé, vos belles intentions s'envolent aussitôt. Si c'est la guerre qu'elle veut, eh bien, elle va la voir. Vous ne le laisserez plus faire. D'ailleurs, il semble que depuis qu'elle est entrée en thérapie, les problèmes n'ont fait qu'augmenter. Elle ne vous laisse rien passer. Lorsqu'elle se lance dans sa tirade habituelle sur le couple et l'engagement amoureux, votre sang ne fait qu'un tour. Vous avalez un verre de vin pour tenter de vous calmer, mais il y a la goutte de vinaigre. Du vinaigre, évidemment. En un instant, il vous semble avoir compris, le cœur du problème, c'est une pisse vinaigre. Tout ce qu'elle touche a goût de vinaigre. Encore une fois, la soirée est gâchée. Il ne vous reste plus qu'une idée en tête, partir. Vous allez l'interrompre pour le lui dire, mais elle vous ôte les mots de la bouche. Je gage que tu veux encore partir. Tu me trouves trop dérangée peut-être. Mais ce ne serait pas plutôt que je suis dérangeante. Nuance, mon cher. Et puis, penses-tu vraiment que les autres sont différentes de moi ? Penses-tu vraiment que tu vas finir par la trouver, la femme idéale ? Tu t'es déjà regardée ? Pour pouvoir désenclencher la chose, va falloir passer un petit peu de temps à scoltiner avec la difficulté, à aller voir à l'intérieur pourquoi ça s'enclenche comme ça, plutôt qu'à rester à l'extérieur avec « c'est une pisse vinaigre ». En communication non-violente, on prend conscience que nos jugements sont l'expression tragique de nos besoins. Je juge l'autre en façade, à l'extérieur, et vous voyez que je peux être dans une argumentation, une articulation de jugement, l'un sur l'autre. Je peux employer des mots qui font qu'on ne se comprend plus. Et qui, dans un couple, ne s'est pas dit « mais avec quoi elle vient ? Je ne comprends plus ce qui se passe, avec quoi il vient ?» On se croise. Ou on peut être franchement parti dans le pétard, avec un langage vraiment qui est l'opposition claire. On va tenter d'aller voir comment est-ce qu'on peut nommer ce qui se passe derrière la façade. La façade ne nous plaît peut-être pas, elle paraît autoritaire ou trop fragile et menue. Souvent, pour éviter ces deux caricatures, on va se mouler dans une petite façade neutre. Je passe inaperçu, je suis bien gentil dans mon clou pour éviter les conflits. Mais les conflits s'accumulent quand même dans les cocottes minutes de part et d'autre, qui deviennent des cocottes minutes à explosion retardée. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là en train d'exploser, qu'elles ne vont pas exploser bientôt. Hein. Donc, nous prenons souvent cette attitude de petite façade neutre, tout va bien, et on essaye d'éviter les conflits. Je propose de tenter de descendre derrière la façade. Pour qu'il y ait vie derrière une façade, derrière un comportement, il faut de l'eau. Que je sois tipi modeste, que je sois donjon sur la colline, que je sois balayeur dans une ruelle de Woluwe et Saint-Pierre, ou que je sois star du showbiz derrière une façade assez imposante, nous avons tous les mêmes besoins. Nous sommes une communauté d'êtres humains qui avons basiquement les mêmes besoins. On va tenter en communication non-violente d'ouvrir notre conscience. Quel est le besoin qui habite l'autre derrière ce comportement que peut-être je n'aime pas ? Et bien sûr que cette attitude... Nous allons d'abord l'adresser à nous-mêmes. Quel est le besoin que je ressens, qui m'anime derrière ce comportement que je n'aime pas ? Et donc, la première personne avec qui nous allons tenter de vider une petite guerre intestine, ben, c'est nous. Souvent, la guéguerre que nous entretenons avec l'autre n'est que le reflet d'une guéguerre que nous entretenons avec des parties de nous. On va tenter donc d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le puits de chacun des deux.
Et je vous propose de voir que dans ce petit exercice de décodage, nous n'allons pas employer la communication non violente, la communication non violente standard telle qu'on l'apprend dans les stages. Je me sens parce que j'ai besoin, est-ce que tu veux bien ? Parce que ce décodage un peu académique est un apprentissage, c'est pas comme ça qu'on parle tous les jours. On va donc tenter de prendre des mots de la vie quotidienne pour que ce soit le plus proche possible de nos habitudes de fonctionnement. Et ça commence d'abord par un petit moment d'intériorité, d'écoute de soi, pour clarifier précisément qu'est-ce que je ressens, de quoi est-ce que ces sentiments sont-ils les clignotants, quels besoins insatisfaits sont en moi, et comment est-ce que je pourrais les nommer, les formuler à l'autre, en sorte d'aller mieux. Quand il prend le temps de faire une pause en rentrant du boulot, je me rends compte que je l'envie parce qu'il fait quelque chose que moi, je ne prends pas le temps de faire. Et quand, en plus, il parle, je trouve que ça met une ambiance légère dans la maison et ça nourrit vraiment chez moi l'envie, le besoin de partager avec lui, tout simplement. Et quand je prends l'initiative, quand je fais les premiers pas pour lui suggérer qu'on pourrait peut-être faire l'amour, je me rends compte que c'est quelque chose que je ne fais jamais, pratiquement. Bien qu'il me l'ait déjà demandé, mais il ne le demande jamais très clairement. C'est toujours un peu à demi-mot, c'est suggéré. Et quand je le fais quand même, je me rends compte que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Qu'est-ce qui est encore réveillé chez moi ? Que après ça, après 2 minutes, quand il commence à se crisper, là, à prendre de la distance, je le sens bien. Je me rends compte que j'ai besoin de cohérence et que j'ai besoin de comprendre. Alors j'ai besoin de cohérence parce que je sais que c'est important pour lui de savoir qu'il est une personne importante pour moi. Et en même temps, ce serait bien que je le manifeste modérément. Mais c'est difficile pour moi de lui dire « tu es modérément très important pour moi ». Je suis un peu perdue. Et puis, j'ai vraiment besoin de comprendre aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur dans ce que je dis ou dans ce que je fais ? Et ça, j'ai envie de vérifier. En tout cas, j'ai vraiment envie d'en parler avec lui. Et quand il part aux toilettes, ça... Ouf, j'en ai ras-le-bol de ce scénario à répétition. Moi, je me sens triste, je me sens impuissante à changer ça. Et surtout quand il part là, j'ai l'impression qu'il y a un mur, une distance, un silence, une froideur. On dirait mon père. La froideur de mon père, la distance de mon père. Silence de mon père. Mon père ne m'a pas pris dans ses bras. Je n'ai aucun souvenir d'être allée sur ses genoux. Et je pense qu'il ne m'a jamais dit « je t'aime ». Alors je me demande si je vaux quelque chose, quoi. Si je vaux une cacahuète. Je me demande vraiment quelle est ma valeur et finalement si je suis quelqu'un d'aimable. Et... quand je pense à ça, je me sens triste et en même temps, je me rends compte à quel point ça me fait vraiment du bien de clarifier déjà ça en moi, de me donner cette auto-empathie. Parce que je me rends compte que lui, il n'est que le stimulus de ma peur. Ce qu'il fait ou ce qu'il dit restimule ma peur, mais il n'en est en aucun cas la cause. Ma peur était déjà en moi, bien avant lui. Et quant à mon père, il a fait du mieux qu'il a pu, avec ses croyances à lui et sa relation à ses parents à lui, qui eux-mêmes ont fait du mieux qu'ils ont pu, avec leurs croyances à eux et la relation à leurs parents à eux, qui eux-mêmes ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et on peut remonter comme ça vraiment très loin. Et je me rends compte, maintenant que je n'ai plus qu'une hâte, c'est de partager ça avec lui.
J'aime bien quand... Je m'assieds un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passe, là. Je réalise qu'on est pris dans un drôle de scénario. On a tous les deux le même plaisir à se retrouver le soir, c'est l'évidence. C'est tellement agréable. Nous sentons tellement que la relation est nourrissante, que nous nous correspondons bien, nous nous aimons bien. Il y a une connivence, une intimité joyeuse dans l'échange. Comme ça, ça démarre toujours très très bien. Et puis je vois qu'effectivement, je désire fortement me sentir désirable et qu'elle en témoigne à l'occasion en faisant elle-même les premiers pas. Je pense que ça me rassurait sentir que je suis désirable. Donc j'attends ça. Et puis effectivement, une fois qu'elle s'approche, pleine d'amour, de tendresse, avec la plus belle des intentions, me témoigner son affection, ça va très bien quelques minutes. Et puis très vite, oulala, quelque chose se ferme en moi, comme un clapet. Ça fait cloup. Il y a comme danger, se protéger, fermer la cuirasse, attention. Et il y a toutes sortes de signaux lumineux qui font pimpon, comme si j'étais en danger. Et là, si j'écoute ce danger, c'est pas confortable d'entendre ça, mais je réalise que j'ai peur. J'ai peur. Et jusqu'ici, je ne me suis jamais avoué ça. Je me la jouais guerrier qui va bien, et hop, on y va, viens par ici, poulette. Et puis non, j'ai peur. Et si j'écoute ma peur, j'ai peur de me dissoudre dans la tendresse, j'ai peur de perdre ma force, ma solidité d'homme, ma masculinité, mon identité. J'ai donc franchement besoin de te rassurer que je peux garder ma teneur, mon identité, même si je m'abandonne dans la douceur. Et au fond, quand je lui dis « t'es une pisse vinaigre », tout ce que tu touches à goût de vinaigre, c'est des pauvres mots pour dire « j'aurais tellement besoin d'accueillir la douceur dans ma vie ». J'ai tellement besoin d'accueillir ta douceur sans en avoir peur. Puis j'ai tellement besoin d'accueillir ma douceur de mec, sans en avoir peur d'être efféminé, d'être fragile, de pouvoir voir que je peux être et doux et fort. Mais ça, jusqu'ici, je n'y ai pas pensé. Je suis dans une pensée binaire où si je m'attendris, je perds ma force. Donc, je garde ma force. Si je m'abandonne, je perds ma structure. Donc, je garde ma structure. Je voudrais sortir de cette pensée binaire divisante. Je voudrais voir que je peux à la fois goûter ma sensibilité sans perdre ma force, m'abandonner dans la tendresse sans perdre ma structure. Mais là, je vois que je... rarement réfléchi comme ça, hein, et que donc je la juge plutôt. « Tu m'envahis !» Non, c'est moi qui ai besoin de trouver ma propre force, mon propre territoire, et de t'accueillir dedans, sans avoir peur d'être envahi. Ça m'appartient. Mais là où je suis piégé aussi, c'est que je lui projette une image de maman contrôlante. Alors, c'est clair que j'ai vécu la tendresse de ma mère comme étant... malgré ses merveilleuses intentions généreuses, aimantes, sans aucun doute, comme étant un peu contrôlante, un peu plus ingérante dans ma propre vie, dans mes propres choix que ce que j'aurais voulu. Ça ne veut pas dire qu'elle est ingérante, mais moi, je suis toujours dans ma pensée binaire, je scotche les choses, c'est un amalgame. Tu m'approches, c'est que tu me contrôles. Vous diriez, et tu m'approches, et tu me laisses être qui je suis. Mais là, il faudrait que je déconnecte cette projection que je fais et que je continue de faire, et qu'elle me rappelle régulièrement « je ne suis pas ta mère ». Et au fond, elle a juste besoin d'être accueillie telle qu'elle est. Quand elle me dit « je ne suis pas ta mère », elle me dit « s'il te plaît, accueille-moi comme je suis, défais-toi de ce préjugé, va travailler la relation avec ta mère ailleurs, puis fous-moi la paix avec ça ». C'est ça qu'elle me dit. Et elle a mille fois raison, mon Dieu. Alors là, je vois que ça me fait tout chose d'accueillir cette peur à l'intérieur de moi-même, cette peur de me perdre, alors que je me pensais si fort. Non, je ne suis pas si fort, j'ai à travailler ma propre force intérieure. Ça me fait tout chose de le voir, mais ça me fait du bien. C'est comme si de l'évoquer, ça la rendait moins menaçante. Je me mets en lien avec elle, je cause avec ma peur. Mais je réalise aussi que je n'en ai jamais parlé avec elle. Alors on est dans une sorte de jeu de rôle, au fond. On ne se parle pas des vraies choses. Je suis pris par la peur, mon clapet se referme. Elle le prend bien sûr comme de l'hostilité. Comment pourrait-elle le prendre autre chose? Elle s'avance plein d'amour et moi je me recroqueville dans le canapé. Alors elle croit qu'elle n'est pas aimée, donc elle s'énerve. Et on est pris dans une mécanique qui risque bien de nous distancier de plus en plus. Donc je prends conscience que j'ai vraiment besoin de lui en parler, de lui dire, tu sais, mon repli, mon clapet qui se ferme, ma cuirasse qui se referme, ce n'est pas contre toi, c'est pour me protéger de quelque chose que je ne comprends pas encore bien.
Mais ça me fait un peu peur de le dire ça. De quoi j'ai l'air, moi? Un mec qui a peur de la tendresse, de l'intimité? Oui. Pourtant, c'est cette vérité-là que je vis. Puis c'est cette vérité-là que je veux dans mon couple. Je veux pas un jeu de dupes où on se fait les beaux sourires, puis tout va bien, alors que rien ne va plus. Donc je prends conscience qu'il faut qu'on s'en parle. Je vais lui en parler. Oh, dis donc, tu serais d'accord qu'on parle un petit peu? Moi, j'ai un poids là sur l'estomac depuis tout à l'heure, j'en ai marre, quoi. Oh, ça fait du bien que tu en parles, mon Dieu. Si tu savais le poids que j'ai sur mon estomac, je savais même pas comment j'allais t'aborder. Si tu voulais qu'on en parle, ça me soulage que t'aies aussi envie qu'on en parle. Ça te dirait que je commence? Oui. C'est une montagne sur mon cœur. En prenant du temps de recul, là, tout à l'heure, j'ai pris conscience qu'au fond, dans ces situations qui se répètent entre nous, où j'ai envie que tu t'approches de moi, j'ai envie que tu me témoignes de l'affection, que tu prennes l'initiative de la démarche amoureuse, et puis que je me referme, comme automatiquement, un mécanisme, eh bien, je viens de prendre conscience que j'ai de la peur. Moi qui me pensais si confiant, si solide, j'ai une peur intime que j'avais rarement rencontrée, qui est celle de me perdre dans la relation, de me dissoudre comme un sucre dans une tisane, comme ça, de perdre mon identité, ma structure. Je réalise que j'ai jusqu'ici mis mon identité d'homme dans le contrôle, dans la puissance, dans l'action. Donc c'est moi qui maîtrise. Mais ça me piège, évidemment, puisque par moments, j'ai envie de lâcher. J'ai envie que toi, tu maîtrises un peu. Et que là, j'arrive pas encore. Alors, ça me fait un peu peur de t'en parler. Je sais pas comment tu vas prendre ça. J'ai un peu peur d'être jugé. Ben, j'ai peur d'être ridicule aussi, qu'un mec constate qu'il a peur de se perdre dans la relation. Mais en même temps, je prends conscience que j'ai besoin de cette vérité. Que sinon, on va se jouer un jeu de dupes. Et puis, dernière chose que j'ai identifiée en me coltinant un peu avec moi, ça me fait du bien d'être un peu avec moi, même si c'est pas du tout confortable, mais au moins je vois un peu plus clair. Eh bien, ce que j'ai identifié, c'est qu'effectivement, quand tu me dis « je suis pas ta mère », et tu me le dis souvent, effectivement, inconsciemment, je te projette une image de maman contrôlante, comme si être aimé, c'était être contrôlé. Alors que je voudrais vraiment accepter que t'es évidemment pas ma mère, que t'as une toute autre façon d'aimer et que tu me respectes dans ma liberté. J'ai juste besoin de prendre conscience de ça, de désamalgamer la chose, tu vois. Et je voulais savoir comment tu te sens quand je te dis tout ça. Écoute, moi déjà, là, je suis épatée que tu m'en parles, quoi. Parce que tu ne l'as jamais fait, ou tu le fais toujours différemment. Et rien que pour ça, je suis déjà drôlement confiante et je te remercie beaucoup. J'ai l'impression que tu as lâché une soupape, là. Tu vois que c'était dans l'air et que tu ne l'avais jamais dit, quoi. Ah ben non, et c'est clair que... D'abord, de m'écouter, ça a dégagé la soupape, mais d'entendre que tu es prêt à l'entendre, là, je peux effectivement te dire que je suis bien dégagée. J'avais peur que tu trouves ça grotesque ou ridicule. Ben non seulement je suis prête à l'entendre, mais je suis... je suis soulagée de l'entendre. C'est quand tu fais le fort et le dur et tout ça que c'est dur, en fait. Et je préfère vraiment t'accueillir comme tu es. Et en plus, quand tu me parles de ta peur, mais tu me permets de te parler de la mienne, tu vois? J'ai l'impression que ça circule, en tout cas, quoi. Et rien que ça, moi, ouf. Je me sens soulagée, vraiment. Ben, je te remercie beaucoup. C'est beaucoup plus agréable à vivre. Fin du premier décodage. Ce que nous tentons de vous proposer de voir, hein, c'est l'enfermement qu'il peut y avoir dans les scénarios, dans les habitudes, si on ne prend pas du recul par rapport à ce qu'on se vit, à ce qu'on vit, pour se responsabiliser. En gros, à la grosse louche, bien sûr, les hommes qui ont vécu comme un peu contrôlant l'amour maternel, parce que bien sûr la maman est là avec tout son soin, toute son attention, et ben ils sont légion. Et donc dès qu'ils sentent un peu trop d'amour, ils disent « Oh, tu m'envahis, tu prends trop de place ». De l'autre côté, des femmes qui ont expérimenter une impression de distance, de froideur de la part du papa, parce que le papa est pris par le travail, les responsabilités, l'extérieur, et puis qu'en grandissant, la petite fille qu'on faisait sauter sur ses genoux, ben ça devient un petit enfant pubère, et on a un petit peu peur de cette intimité avec un enfant, on sait peut-être comment faire, on ne veut pas être gauche ou maladroit, et donc on prend une distance encore plus froide, et bien la petite fille, elle vit ça très mal, elle est en manque de père. Alors, ça fait un drôle de couple,
plus la femme demande de l'affection à l'homme, plus l'homme se sent contrôlé, plus il s'enfuit. Plus il s'enfuit, plus la femme demande de l'affection. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme affaire? On a un scénario où ce qui est constant, c'est la distance entre ces deux êtres-là. Si ils ne sortent pas de leur inconscience pour nommer les enjeux. Cette petite course entre deux êtres, Guy l'a identifié comme ceci, « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. » Alors sortir de ces scénarios, ça demande effectivement un petit moment de recul pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se rejoue là. Et effectivement, il est fréquent que nous rejouions dans nos relations de couple des situations qui n'ont pas été clarifiées, mises à la conscience de notre passé avec nos propres parents. Alors, tout doucement, nous nous acheminons vers notre deuxième petit chapitre de cette soirée. Nous allons retrouver maintenant le même couple, elle et lui, dans de beaux draps. Bon. On ne peut pas dire que la soirée s'est très bien passée. Après l'altercation de tout à l'heure, vous êtes resté très tendu. Lui aussi. Vous êtes triste. Et vous vous dites qu'il faut quand même agir, sinon au train où vont les choses... Enfin, vous préférez ne pas y penser. Vous aimeriez arrêter d'y penser. Et vous vous souvenez vaguement des paroles d'une amie qui vous disait que dans les situations désespérées, il reste toujours les sous-vêtements noirs ou la vodka. Oh là là! La vodka, ce soir, vous n'iriez pas jusque-là. Les sous-vêtements noirs, pourquoi pas? Soutien-gorge, porte-jartelle, ça le fait chavirer. Soyons clairs, vous préféreriez crever l'abcès d'abord. Vous préféreriez parler d'abord. Et puis après, peut-être... Mais, pour une fois, pourquoi pas? Il est encore dans la salle de bain, lorsque vous arrivez dans la chambre à coucher. Vous arrivez dans la chambre à coucher, et on dirait qu'elle dort déjà. Tant mieux, parce que vous n'avez vraiment pas la tête à quoi que ce soit. Surtout pas à ces interminables discussions sur l'oreiller qu'elle affectionne tant. Elle appelle ça l'intimité. Eh bien, ce soir, pour l'intimité, on repassera. Vous éteignez la lumière. Et là, sous les draps, vos mains n'en croient pas ce qu'elles découvrent. Quoi ? La petite coquine a mis son porte-jartelle et son soutien-gorge en dentelle. Même si vous faites semblant de ne pas y toucher, votre cœur bat un peu plus vite qu'avant. Vous sentez même poindre l'érection. Vous rapprochez d'elle et éteignez son corps brûlant. Vos soucis sont déjà envolés. Elle résiste un peu à votre étreinte, vous accorde finalement un baiser et vous propose d'allumer une chandelle. Elle joue un peu les vierges imprenables et vous devez avouer que ça marche à tout coup. Vous aimez lorsqu'elle n'est jamais tout à fait conquise, comme si c'était toujours pour la première fois. Vous sentez ses mains sur votre corps, et ça vous rassure. Votre petit stratagème fonctionne. Vous vous détendez peu à peu. Au fond, c'était pas si compliqué, une paire de barésilles et hop, le tour est joué. Ses mains caressent votre corps, et vous avez envie de vous blottir contre lui. Vous le sentez dans votre dos qui palpite déjà, qui s'excite. Vous vous frottez contre lui et vous vous abandonnez amoureusement. Le problème, c'est qu'il se concentre déjà sur votre sexe et sur vos seins. Il vous pince déjà le bout des tétons. Mais vous ne vous sentez pas prête, alors vous tentez quand même de jouer le jeu en espérant que ça viendra.
Mais ça ne vient pas du tout. Plus il s'excite, plus vous décrochez. Après un certain temps, ça commence même à vous énerver drôlement. Vous vous sentez de plus en plus comme un objet, comme un jouet qui ne sert qu'à lui donner du plaisir. Ça allait si bien. C'était si excitant. Il fallait qu'elle commence à faire la compliquée. Caresse-moi partout, mon dos, mes reins, ma nuque, mes épaules. J'ai besoin d'un peu de tendresse, d'un peu de romantisme. Romantisme ! Le gros mot est lâché. Elle trouve toujours que vous n'êtes pas assez romantique et que vous allez trop directement à l'affaire. Votre orgueil de mâle vient d'être frappé de plein fouet. À vrai dire, son romantisme, vous n'y comprenez rien. Lorsque vous la désirez trop ardemment, c'est du cul. Et lorsque vous la désirez pas suffisamment, elle trouve qu'il y a un problème dans la relation. L'autre jour, après cette soirée un petit peu imbibée chez les copains, vous avez voulu l'embrasser sous la lune en rejoignant l'auto. Vous ne comptiez pas du tout faire l'amour là dans la rue, vous vouliez juste jouer les adolescents. Et vous êtes fait entendu dire que vous ne pensiez qu'à ça. Bon, le lendemain, elle s'est excusée en reconnaissant qu'elle avait des préoccupations au travail. Mais vous, tout de même, vous n'y comprenez rien. Est-ce que être romantique, ça devrait dire que vous ne devriez même pas ressentir d'érection en l'embrassant? Mais vous n'êtes tout simplement pas fait comme ça. Il faudrait quand même bien qu'elle le comprenne. Alors vous retournez en maugréant et éteignez la chandelle. Encore une fois, dans de beaux draps, c'est le cas de le dire. Vous avez voulu arranger les choses, elles n'ont fait qu'empirer. Vous vous sentez ridicule avec votre porte-jartel et votre soutien-gorge. Alors vous enlevez tout ça, avec des gestes brusques pour les déranger le plus possible. Est-ce donc si difficile à comprendre que vous aimez la tendresse? Est-ce donc si difficile à comprendre que vous aimez être conquise lentement? Être désirée, devinée? Ce n'est pas que vous n'aimez pas faire l'amour. C'est qu'il y a la manière. Tout est dans la manière. Le sexe, avec des caresses et des mots doux. Waouh, quelle affaire! Tiens, voilà qu'il remet ça. Les hommes n'ont aucune fierté. Une fois excités, ils ne savent plus s'arrêter. Le voilà à nouveau en train de vous caresser les seins, vraiment. Il n'y comprendra jamais rien. Vous ne pouvez tout de même pas déposer une plainte pour harcèlement sexuel contre votre propre compagnon. Alors, vous le laissez faire, mais vous êtes complètement débranché. Ce corps qui se frotte contre vous, cette voix haletante qui vous répète machinalement « mon chou », tout cela vous semble de plus en plus grotesque. Et si vous ne l'arrêtez pas maintenant, dans 5 minutes, vous aurez l'impression d'un viol. Alors vous vous relevez d'un bond, vous allumez la lumière et vous lui déclarez sur un ton sans réplique « je ne veux plus jamais que tu m'appelles mon chou ». Ah ça c'est le comble. Vous lui répondez sur le même ton que non seulement il n'y aura plus de mon chou, mais il n'y aura plus de chouchouterie non plus. Vous en avez marre d'être toujours celui dont on dispose. Jamais elle ne prend l'initiative des caresses. Jamais elle ne propose de faire amour. C'est toujours vous. Eh bien maintenant, ça suffit. C'est à elle de faire les premiers pas. C'est elle qui devra vous deviner. Si elle pense que c'est facile d'être rejetée sans cesse et de sans cesse refaire les premiers pas, eh bien maintenant, ça suffit. Vous allez prendre des vacances de romantisme, des vacances d'érotisme, des vacances de tout. À elle d'organiser le voyage. Vous êtes là, au beau milieu de vos réflexions. Et vous avez tout d'un coup l'impression d'entendre la voix de votre père en vous. Vous avez envie de brailler. Tellement ça fait vieux couple. La même tension, le même problème, le même silence. La même fatigue chez sa femme, votre mère, les mêmes désirs insatisfaits chez lui, comme chez vous. Comment cela est-il possible? Une révolution sexuelle plus tard, puis c'est toujours la même histoire. Vous éteignez la lumière et vous taisez. Vos mains cherchent sa main dans le noir, mais elle se dérobe. Elle est toute raide maintenant. Vos paroles ont dû la blesser. Alors vous restez là,
les yeux ouverts dans le noir, immobile, incapable de dire quoi que ce soit, attendant que ça passe. Vous savez qu'il est là, les yeux ouverts dans le noir. Vous savez qu'il vous cherche pour se réconforter, mais vous vous sentez tellement incomprise. Il vous semble que vous donnez tellement de vous-même. Il vous semble que vous faites tout pour que sa vie soit agréable, que vous êtes à l'écoute de tous ses besoins. Est-ce qu'il ne pourrait pas vous approcher avec un peu de douceur? Est-ce que c'est trop demandé? Vous entendez la voix de votre mère soupirer. Les hommes, c'est tous des cochons. Vous n'en êtes pas là, mais pas loin. Est-ce que ça va durer encore longtemps comme ça? Est-ce que ce sera pour vous, comme pour elle, une longue attente? Et se faire une raison? Ce serait trop bête. Vous vous dites, c'est pas grave. Mais ce qu'il y a entre vous deux, entre vous et lui, est devenu tellement lourd. On dirait que vous n'êtes jamais au même rendez-vous, en même temps. Fin de la deuxième scénette. Alors vous voyez, dans cette scénette-ci, on voit bien de nouveau les belles intentions, l'envie de se retrouver, de reconnecter, de renouer, et cependant de nouveau, un scénario qui semble bien être à répétition, bien établi dans ce couple, s'instaure. Il semble que l'un et l'autre aient du mal à se comprendre dans ses rythmes, dans sa façon de faire, et qu'ils aient bien du mal à s'en parler, à nommer ça. Et qu'ils restent donc piégés dans le fait de juger l'autre. Tu ne me comprends pas, tu es un macho, tu penses qu'à toi. Et donc à être dans ce fonctionnement divisant que l'on peut voir un petit peu sur le tableau ici, qui est à distance. Je juge ce qui se passe l'autre et je n'essaie pas de comprendre qu'est-ce qui pourrait nous rassembler au niveau de la nappe phréatique. Quelques pièges font que nous nous maintenons souvent sur la surface. Ce sont les pièges à la communication que sont le jugement. Je juge l'autre pisse vinaigre au lieu de dire « Écoute, j'ai du mal à accueillir ta douceur et à accueillir la mienne, c'est ça que je voudrais travailler. » Quand je te dis pisse vinaigre, c'est que j'ai besoin de douceur, oui, mais j'ai encore du mal à l'accepter. On s'entretient dans des préjugés, des croyances. « Puis t'es comme ta mère !» Ou tu me prends pour ta mère, au lieu de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chacun de notre côté travailler un peu la relation avec papa-maman, puis on reviendrait un petit peu vierge de ça, pour se rencontrer vraiment. On s'enferme dans des croyances. Et vous connaissez bien ces croyances blessantes. T'es toujours comme ça, puis toi, t'es jamais comme ça. Qu'est-ce que ça crée du pétard, cette impression d'être enfermé dans une croyance? Alors, la pensée binaire nous revient aussi très souvent. On peut sans doute l'imaginer ici que pour trouver du plaisir dans la relation, ben, je m'occupe de moi et je ne m'occupe pas de l'autre. On est pris là-dedans. Ou alors, je me dévoue pour faire plaisir à l'autre, mais je néglige mon propre plaisir. Que de fois nous sommes pris dans cette pensée binaire, hein. Elle est extrêmement récurrente. Pour prendre soin de l'autre, il faut que je me coupe de moi. Hein. Et puis à la fin, comme je suis toujours en binaire, à force de ne plus m'être occupé de moi, j'ai besoin quand même de m'occuper de moi. Mais comme ça marche en binaire, hein, pour m'occuper de moi, je me coupe de l'autre. Vous avez là une mécanique extrêmement fréquente qui sont la mécanique de la gentillesse. À force d'avoir été si gentil, ben je deviens méchant, je casse la relation. Il aurait mieux valu être vrai plutôt et dire, quand on entre en relation, quand on vit les difficultés, et j'ai besoin de prendre soin de toi, et j'ai besoin de prendre soin de moi. Et je souhaite te respecter, être à l'écoute de toi, et je souhaite me respecter et être à l'écoute de moi. Une pensée complémentaire, réconciliante, plutôt qu'une pensée divisante. Et enfin, le quatrième piège à la communication extrêmement récurrent, c'est ce que nous appelons le langage déresponsabilisant. C'est un langage qui paraît très responsable. Il faut, tu dois, je me dois. On n'a pas le choix, ça paraît très responsable. Et cependant, si on veut bien écouter la conscience qu'elle a derrière, c'est une conscience qui n'a pas réfléchi, qui exécute. Il faut, je dois, j'ai pas le choix. Ce n'est pas
un choix en acceptant les conséquences inconfortables du choix. C'est une exécution servile d'une instruction, d'une habitude, d'un cliché. Et ça se retrouve assez souvent. Il faut que je fasse plaisir à mon mari, il faut que j'assume le rôle de l'homme fort. Et on est souvent piégé dans des tâches de devoir comme ça plutôt que d'aller voir derrière ce qui se passe. Alors, de nouveau, nous allons vous proposer, Dominique et moi, de tenter de nommer ce qui se passe dans le cœur de ces deux êtres humains, derrière leur peur, derrière leur colère. Qu'est-ce qu'ils vivent? Quels sont les besoins insatisfaits qu'il serait peut-être opportun de tenter de tirer à la conscience pour pouvoir les nommer ensemble et chercher ensemble des solutions qui soient satisfaisantes tant pour l'un que pour l'autre. Pas juste pour l'un au détriment de l'autre, pas juste pour l'autre au détriment de l'un, tant pour l'un que pour l'autre. Et ça commence de nouveau par un moment d'auto-empathie, écoute de soi. Bon, la soirée arrive. Après les cris, les engueulades, les jugements, les reproches, arrive le silence. J'ai une amie qui m'a dit, il y a quelques jours, avec mon mari, ça fait une semaine que j'ai l'image et que je n'ai pas le son. Une semaine. Moi, ce silence, ça restimule en tout cas immédiatement ma fameuse peur. Est-ce que je compte? Quelle est ma valeur? Est-ce que je suis aimable? C'est pour ça que quand il me prend dans ses bras, avec beaucoup de douceur, je me sens tellement... je me sens en sécurité, je me sens comblée, rassurée. Seulement quand, après 5 minutes, il va déjà à l'affaire, comme il dit... Je me rends compte qu'on n'a pas du tout le même rythme, lui et moi. Et je ne le lui ai jamais dit. Par contre, quand je fais semblant d'avoir le même rythme que lui, je triche. Et ça me plaît pas trop de me le dire, mais je triche. Et j'ai l'impression en une fois de sentir tout le poids de la femme, du féminin, qui porte la croyance qu'elle doit faire plaisir à l'homme d'abord. Alors, oui, quand je pense à ça, je me sens triste et j'en ai ras-le-bol. Moi, maintenant, je décide de prendre en considération mon propre besoin d'épanouissement et d'épanouissement sexuel. Et l'un n'empêche pas l'autre. Alors, je peux lui faire la demande, je peux lui dire... Est-ce que ça te dirait de contribuer à mon épanouissement sexuel? C'est audacieux comme demande quand même. Et puis si oui, on pourrait imaginer que ce soir, ce soit moi qui te guide et puis la prochaine fois, ça peut être toi. Pourquoi pas? Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'audace et l'honnêteté de cette demande, mais en tout cas... Quand je me dis que je peux lui en parler, en tout cas, je crée la relation honnête, profonde, sincère, intime, que je veux et que je veux avec lui. Alors je vais lui en parler, ça c'est sûr. Quand je pense à notre soirée... Je suis tellement triste, défait, impuissant, en colère sur moi. Je me dis qu'on est là tous les deux, plein d'élan, de tendresse, d'affection, appuyé sur qu'on s'aime, et puis quand même, quelque chose fait que là, sous la couette, ça capote, enfin, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui se bloque, qui coince, et ça revient souvent. Et là, franchement, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'enclenche en moi, qui fait que j'ai du mal à entendre son rythme. Je réalise bien qu'on n'a pas le même rythme, qu'elle aimerait plus de douceur, plus de lenteur, que les choses s'installent doucement, délicatement. Et elle m'en fait des demandes indirectes. On ne s'en est jamais parlé de nouveau ouvertement. Je prends conscience de ça, comme moi-même, je n'ai jamais parlé de ce que j'essaie d'explorer maintenant, de cette difficulté à respecter la lenteur.
Et si je prends conscience que c'est là que s'enclenche ma difficulté, c'est quand je vois qu'elle aimerait plus de douceur et de lenteur, mais de nouveau mon clapet se ferme en disant « Attention, je vais me perdre là-dedans, il faut que je garde le contrôle de la chose. C'est moi qui décide quand ça commence, comment ça se passe et quand ça se termine. » Là, je suis rassuré. Parce que c'est comme ça que je dirige toute ma vie. C'est moi qui programme. Alors, la douceur, ça reste une notion bien intellectuelle, mais ce n'est pas quelque chose que j'arrive à intégrer pour m'abandonner dedans. Là. Oh là là, ça me fait beaucoup trop peur. Et donc, quand elle me propose, me suggère, laisse-toi aller, prenons du temps, c'est délicieux. Hein? Moi, j'ai vraiment peur de me dissoudre là-dedans. Et ça m'attriste, mon Dieu. Parce que s'il y a bien une personne avec qui j'ai envie de goûter cette nudité des cœurs, au-delà de la nudité des corps, c'est bien sûr elle. Je l'ai choisie pour sa franchise, son authenticité, sa joie de vivre. Et là, je suis teigneux comme un vieux bourgeois, là, au fond du lit. C'est pas gai. Je suis agressif, presque. Je suis agressif parce que j'arrive pas à accepter ce qu'elle me donne. Je sais donner, mais je sais pas recevoir. J'ai à apprendre à recevoir. Mon Dieu, j'aurais jamais cru ça. Mais en m'écoutant, c'est bien ça qui apparaît. J'ai à apprendre à recevoir de la tendresse, à pas être celui seulement qui prodigue du soin, de la sécurité, de la structure, j'ai besoin de recevoir de la délicatesse, de la douceur, de l'intuition. Et là, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. En même temps, c'est ce que je veux. C'est cette vérité-là que je veux expérimenter. Et je me dis bien qu'au fond, cette vérité, vous voyez, cette authenticité, ce dénuement dans la relation, si ce n'est pas là que je le vis, ce sera où ? Puis je me dis, si ce n'est pas avec cette personne-là, ce sera avec qui ? Et puis je me dis, puis ce n'est pas là maintenant, tant qu'on est bien vivant et en bonne santé, ben ce sera quand ? Alors ça ne sert à rien d'espérer l'authenticité, la vérité, la bienveillance, l'écoute mutuelle dans le monde, si je ne suis pas en train de l'instaurer là, dans mon couple, et si on continue à se bagarrer, à dormir chacun de son côté, plus glacé que des nations en guerre. Mais c'est plus facile de reprocher les nations en guerre à la téloche que d'aller se raccommoder là sous la couette doucement. Pourtant, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Ça me fait peur, mais de nouveau, je veux accepter cette peur, ne plus avoir peur d'avoir peur, prendre ma petite peur par la main et dire, on va aller s'en parler tous les deux. Et donc, je vais lui en parler. Ça t'irait qu'on se parle un peu ? Je te remercie parce que je réalise qu'on est coincé là dans un scénario et que je pense qu'on en a tous les deux ras-le-bol. Ouais. De ne pas comprendre ce qui se passe, ça nous dépasse, ça s'enclenche comme automatiquement et on se retrouve là tout glacé de part et d'autre du lit alors qu'on a justement envie d'être ensemble. Je voudrais te partager ce que j'ai un peu découvert en regardant ça. J'ai redécouvert un autre aspect, enfin affiner la conscience de ma peur, la peur de me perdre, la conscience que j'ai forgé mon identité masculine autour de la structure, l'organisation, c'est moi qui décide quand ça commence, comment ça se déroule, puis quand ça s'arrête, j'ai la commande de tout le bazar. Et inévitablement, je me retrouve seul, puisqu'il n'y a pas de place pour toi là-dedans. Je ne vérifie pas ton rythme, qu'est-ce qui serait agréable pour toi, comment est-ce qu'on peut inverser les rôles, comment est-ce que je pourrais m'abandonner, je ne vérifie pas ça, puisque ça me fait si peur. Mais là, de nouveau, je vois que j'ai besoin d'apprendre à m'abandonner comme j'ai besoin d'apprendre à recevoir ta tendresse, recevoir ta bienveillance, sans méfiance. J'ai besoin d'apprendre à faire confiance, te faire confiance, me faire confiance, que je peux m'abandonner là-dedans sans m'y perdre, mais en me retrouvant. Faire confiance à la vie aussi, que la vie nous amène à vivre ça, c'est différent, pour connaître nos différences. Pour nous rencontrer, nous émanciper de petites couches qui sont devenues un peu étriquées, dans lesquelles nos êtres ne sont plus heureuses, comme si on restait dans un vêtement d'adolescent alors qu'on a grandi. Je réalise ça. Je suis à l'étroit dans ce petit vêtement-là, de petit mec qui veut faire l'amour vite fait. Moi, je veux apprendre à m'abandonner. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça ? Waouh ! La toute première chose qui me vient là, une fois encore, c'est...
C'est touché de ton honnêteté, de ta franchise. Et je me dis que peut-être la chose la plus une des choses, en tout cas la plus intime qu'on partage, toi et moi en ce moment, c'est de partager nos peurs et de prendre conscience qu'elles nous appartiennent. Et toi, tu ne me fous pas les tiennes sur moi et moi, je ne fous pas les tiennes sur toi. Et ça me touche beaucoup quand tu me dis que tu as peur de t'abandonner et tout, parce que j'ai l'impression que si on pouvait parler de ça, même quand on est en train de faire l'amour, je trouve que ça serait super beau, quoi. Et tu veux dire que tu aimerais que, quand je sens ma peur, je puisse te dire, hé, là, j'ai un peu peur, est-ce qu'on peut accélérer un peu ? Ça me rassurerait. Quelque chose comme ça ? Oui, ça me pourrais faire ça ? Ah oui, tout à fait. Ça te mettrait pas mal à l'aise ? Je crois que ça me ferait rire et ça créerait en tout cas la complicité dont je rêve avec toi. Ça, c'est certain. Écoute, ça m'émeut d'entendre ça, parce que pour moi, une peur, d'abord, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, puis si on le ressent, on le ressent tout seul. Si on s'en parle, on essaie de gérer ça, mais je n'imaginais pas que ça puisse être drôle. Mais à t'entendre, je peux bien imaginer, si tu m'en donnes l'autorisation, qu'effectivement, ce serait rigolo de pouvoir te dire, là, franchement, j'ai peur. Là, j'ai l'impression que je suis forcé de correspondre à quelque chose qui n'est pas moi. Et si je pouvais juste nommer ça, j'ai déjà l'impression que la peur, va se dissoudre. Ouais. Et puis qu'effectivement, ça donne l'occasion de rigoler, avec assez bien de connivence, au fond, de complicité. Oui, et puis si on ne le fait pas, nous deux, on va le faire avec qui ? Oui. Puis où ? Puis quand ? Maintenant. Merci. Alors, dans cette scénette-ci, on voit donc de nouveau un scénario qui a tendance à se répéter et qui est plus récurrent qu'il n'y paraît. Cette difficulté à se comprendre dans les rythmes respectifs est extrêmement régulière dans l'intimité. Et on peut comprendre aussi qu'on ne peut pas sortir de ça sans s'en parler de nouveau et sans se coltiner avec ses peurs. Et je pense qu'effectivement, le fait de s'accueillir soi-même dans la peur, sur la chaise de l'intimité avec soi, est vraiment déjà une occasion d'apprivoiser la peur. J'ai assisté un jour à une conférence de Christiane Singer, que j'apprécie énormément par ailleurs, et qui disait, vous savez, dans notre inconscient, il y a toutes sortes de monstres qui naviguent. Et Christiane est assez théâtrale, comme ça, alors elle montre les monstres qui naviguent dans notre inconscient. Elle dit, vous savez, si vous pouvez un à un les prendre dans la mare de notre inconscient et les sortir sur la berge, eh bien, ils sont déjà un petit peu moins fiers. J'aime cette image parce qu'elle est pour moi extrêmement parlante. Effectivement, se parler à soi de sa propre peur, puis se la parler à deux, c'est extraordinaire, comme ça la dissout. Ça la dissout, ça ne veut plus dire qu'elle n'existe plus, mais elle est remise à sa juste place. Et on va faire avec ça, on va cohabiter avec ça. Espérer vivre une vie complète d'homme ou de femme sans rencontrer à de multiples occasions la peur, c'est une utopie. Là, la peur, elle sera là, alors autant en faire une compagne, une amie, une familière que l'on connaît bien et avec qui on peut causer et dont on peut écouter la mise en garde éventuellement pour rester éveillé, vigilant, mais sans être complètement habité par elle. Donc, pour ne plus être habité par elle, il s'agit d'apprendre à cohabiter avec elle. Ce que j'aime relever à l'occasion de cette scénette-ci, c'est de voir que ça ne va peut-être pas la première fois transformer complètement la relation amoureuse. Ce n'est pas ça l'intention. L'intention, c'est se rejoindre, connecter, retrouver le fil qui rejoint ces deux personnes, la nappe phréatique. Est-ce qu'on est ensemble là, au-delà de nos jugements, de nos souffrances, de nos peurs, est-ce qu'on peut se rejoindre ? Et ce que je vous propose de voir, c'est que nous passons souvent beaucoup de temps à nous mésentendre. Et ça fait comme partie du programme. On pourrait mettre dans les agendas dispute conjugale, dispute familiale, dispute avec les enfants, dispute. Il y a de la place pour ça. Et curieusement, il y a peu de place pour s'entendre, prendre du temps pour s'entendre, prendre du temps pour se parler de ces choses avant que le pétard n'explose. Vous voyez ? Et donc, ce que nous avons rejoué là, pour moi, c'est ce que j'appelle la mise à l'entretien de la relation. Tout à l'heure, on évoquait le crash de la bagnole, dont on n'a pas surveillé le plein d'huile, le plein d'essence, la température du radiateur, parce qu'on n'a pas été attentif aux signaux, et inévitablement, on va à l'accident ou à la panne sèche.
Ça ne serait pas arrivé si on avait fait l'entretien à temps. Eh bien, je propose de voir que nous sommes très vigilants à assurer l'entretien de toutes sortes de choses dont nous nous occupons. Un ordinateur, un percolateur à café, un aspirateur, une tondeuse, tout ça va aller en l'entretien dès que ça manifeste un petit signal de dysfonctionnement, parce qu'on veut que ça fonctionne, et on veut que ça dure, puis on a mis de l'argent là-dedans, on ne veut pas le remplacer toutes les 5 minutes non plus. Et curieusement, dans la relation, tiens, ça commence à faire un peu clang, 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 mais c'est pas grave. Tiens, ça fait franchement clang, 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 mais c'est pas grave. Tiens, on ne se parle plus. Tiens, on ne fait plus l'amour depuis quelques semaines. Tiens, on se tire la gueule. Tiens, on circule dans la maison sans se parler. Mais ce n'est pas grave, tout va bien. Alors on s'étonne que tout d'un coup, quelque chose d'amer s'installe dans le cœur de chacun. Nous sommes des êtres de relation, d'échange. C'est notre nature la plus profonde qui est nourrie par l'échange. Nous sommes des êtres de communion. Si quelque chose fait qu'on s'instaure dans un rythme où la communion n'est plus pas là, la tristesse s'installe. Si la tristesse dure, elle devient de l'amertume, du ressentiment, puis très vite de la haine. Alors, pour éviter cet enclenchement, ce pourrissement, ça demande un peu de vigilance pour mettre la relation à l'entretien dès qu'elle pose problème, en assurer la maintenance pour qu'elle puisse se maintenir. C'est pas forcément confortable, bien sûr, quand ça va pas bien, d'aller s'asseoir sur sa chaise, chacun de son côté, et cesser ce petit jeu de se critiquer, se reprocher, se tutoyer l'un l'autre. C'est pas confortable. Mais comment voulez-vous être heureux dans un couple si vous prenez pas ce temps de recul? C'est pas confortable de s'asseoir et dire « Écoute, j'aimerais te parler, j'ai gros sur le cœur, grand comme ça, puis je suis en colère à la fois contre toi, contre moi, contre tout le monde, j'ai besoin d'explorer ça ensemble, pas pour t'attaquer, mais pour prendre soin de notre relation. » Ce n'est pas contre toi, c'est pour nous deux. Ce n'est pas confortable. Et souvent, on va dire, non, non, ce n'est pas le moment. On y pensera plus tard, il est trop occupé, elle travaille trop, elle est fatiguée, on va attendre un bon moment. Puis le bon moment, il ne vient jamais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas à choisir, effectivement, dans l'ordonnancement de la journée, de la semaine, un moment quand même opportun, c'est sûr. Mais je propose que c'est peut-être pertinent de se prendre rendez-vous pour ça. De ne pas décider, puisque je veux te parler là maintenant, parce que ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir quelqu'un de disponible en face de soi. Donc, une première clé, c'est de vérifier, comme nous avons tenté de le faire, Dominique et moi, est-ce que ça ne va qu'on se parle pour la commodité de la soirée? Dominique n'a pas dit « oui, mais je ne suis pas libre ce soir, on peut s'en parler demain hein ». Mais dans la vie quotidienne, ça pourrait être ça, et prendre un rendez-vous auquel on se tiendra, bien sûr. Alors voilà que notre couple qui a passé différentes difficultés, qui s'est échangé, qui s'est rencontré davantage en profondeur derrière le personnage et un peu plus dans l'être, se retrouve en vacances. Et c'est elle et lui, dernière scénette, elle et lui en vacances. Enfin, les vacances. Compte tenu de vos antécédents avec lui, ça se passe plutôt bien. Petite station balnéaire à la côte, réservation à l'aveugle juste avant de partir. Oui, par contre, chambre minable au-dessus d'un ventilateur bruyant, nourriture qui laisse à désirer, bref, tout pour vous irriter, mais bizarrement, ça vous rapproche. En fait, il y a quelque chose, comme un renouveau amoureux dans l'air. Hein? Mais vous parlez trop vite. Le voilà en train de se dévisser la tête pour regarder passer une adolescente qui balade ses seins sur la plage. Vous vous sentez blessé instantanément. Vous allez lui faire une remarque. Mais il est tellement drôle, avec son air de petit garçon coupable, déjà prêt à jurer qu'il ne regardait pas, que vous préférez en rire. Ah là là, décidément. Il n'en sortira jamais de sa mère. Vous étiez en train de courir après elle, sur ce parking au bord de la plage, avec un cornet de frites dans une main et un coca dans l'autre, et c'est alors que cette déesse est passée. Wow! Quel saint, ça ne devrait pas être permis! Bon. Vous vouliez pas regarder, histoire de ne pas blesser elle, mais c'était plus fort que vous. Puis soudain, vous sentez vos jambes disparaître sous vous. Quoi? Elle est revenue jusqu'à vous, uniquement pour vous faire un croc en jambe, et repartir en vous criant « Je t'aime, mon amour, je t'aime !» Oui, c'est très beau, mais vous êtes quand même de laisser tomber vos frites, là.
À l'instant, vous sentez une colère immense qui monte en vous. Elle n'arrêtera donc jamais de vous emmerder. Puis, c'est trop drôle. La situation vous paraît finalement d'un ridicule consommé. Et là, sur cet asphalte brûlant, au bord de la plage, les pieds englués dans les frites et le coca, vous sentez une vague d'émotion monter en vous, si belle et si profonde, que vous lui criez « Je t'aime, mon amour, je t'aime !» si fort que toute la plage puisse l'entendre. Ah, ce « je t'aime-là », elle peut bien l'enregistrer sur cassette, parce qu'il vient du plus profond de vous, et vous l'attendiez depuis si longtemps, et il vous fait tellement bien que vous vous mettez à pleurer comme un enfant. Et vous la voyez qui s'approche à travers vos larmes et qui vous prend dans ses bras. Doucement. Si doucement. Alors, bien sûr qu'il nous fallait un happy end pour que la soirée soit plus confortable à vivre. Ça ne veut pas dire que si on s'échange 3-4 fois sur les difficultés, on va d'emblée avoir un climat de bien-être. C'est parfois un travail qui demande de la longueur, de la persévérance, de la patience, du jardinage. Et vous aurez sans doute compris que on ne fait pas pousser une graine ou une pousse en tirant dessus, mais en prenant soin. Et que si nous en prenons soin régulièrement, avec attention, ça ne veut pas toujours dire, ça veut toujours pas dire que nous sommes à la bonne saison. Le jardinier est maître du soin, il n'est pas maître de la saison. Et je vous propose de voir que ça peut peut-être nous aider simplement à prendre confiance que notre jardinage portera ses fruits si nous acceptons d'attendre ce qu'il faudra attendre en se disant les choses qu'il faut se dire. Ce que l'on peut observer, en tout cas, c'est que d'avoir traversé des moments difficiles, d'avoir réussi à nommer ce qui se passe, d'avoir pu retrouver de la paix en faisant des tris, en faisant des deuils de comportements, d'attitudes, de croyances, de projections, de rêves, en faisant ce nettoyage, en prenant cette douche de conscience pour retrouver une santé, une hygiène de vie, la plupart du temps, ça permet aux deux protagonistes, aux deux parties, aux deux conjoints, de goûter une conscience tout autre. Ils arrivent à un autre palier de conscience, parce qu'ils se sont dit les vraies choses, celles qui cimentent, celles qui nouent, celles qui ravivent la relation. Ils ont remis la bonne bûche au bon endroit. Ce n'est pas du cosmétique, on ne va pas juste en vacances pour se changer les idées. On ne fait pas un bébé pour essayer de se renouer. Ce n'est pas du cosmétique, c'est, même si c'est parfois des choses qui peuvent avoir du bénéfice. Je veux dire que c'est vraiment entrer dans la matière. La matière chaude, la matière délicate, on peut voir que la plupart du temps, ça permet effectivement de créer un climat de bien-être plus important. Alors, je propose de nouveau de prendre le temps de décoder ce que ces deux personnes ressentent, leurs sentiments et leurs besoins. Il est rare que nous prenions du temps pour cela. Souvent, nous ressassons ce qui va mal, nous sommes très habiles à broyer du noir, et moins habiles à broyer du bon, à ressasser du bon, à se réjouir profondément de ce qui va bien. En sorte que souvent, notre être psychique, il est comme anémié. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne ressassez que ce qui va mal, c'est un petit peu comme si vous ne mangiez que des nourritures avariées, périmées, desséchées. Vous ne vous étonnerez pas que votre être physique soit tôt ou tard anémié et n'ait plus d'immunité pour rencontrer une intempérie. À la moindre intempérie, vous vous êtes chopé par la maladie. Notre être psychique a le même besoin d'être nourri, vitaminé, de bonnes nouvelles, de choses qui vont bien, pour s'aérer, s'oxygéner, se vitaliser, se muscler, en sorte que si, bien sûr, des intempéries adviennent, et il en adviendra, on le sait, il ait une meilleure immunité pour traverser cela et de nouveau atteindre un autre palier de conscience. Donc je vous propose de prendre un peu de temps pour décoder de nouveau individuellement qu'est-ce qui s'est passé et qui nourrit davantage la relation à ce niveau-là. Les vacances, c'est un moment important quand même. C'est le moment où on fait une vraie
pause. Il n'y a pas d'horaire. On se lève quand on veut, on prend le temps de parler, de jouer, de découvrir. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment un moment privilégié dans l'année. Alors quand, en plus, j'ai l'impression, je me dis que ça va bien, lui et moi, en ce moment. Et que je vois passer une adolescente qui balade ses seins sur la plage, je me dis qu'il y aura toujours une adolescente pour m'emmerder. Une adolescente ou autre chose qui viendra restimuler ma fameuse peur. Sauf que maintenant, j'ai un trésor inestimable. J'ai le choix. Alors soit je l'engueule tout de suite. J'engueule, je fais la gueule. Ça va tout seul. Je recrée le conflit. Mais je peux aussi accepter ma peur. La reconnaître, accepter de la ressentir. Parce que c'est la clé pour clarifier ma croyance. Échanger, si je veux, mon interprétation, mon regard et ma réalité. Je suis vraiment quelqu'un de bien. J'en vaux la peine. Je suis aimable. Et quand je me donne à moi-même l'attention, l'amour, la considération, le respect que je souhaite, eh bien, je suis déjà beaucoup moins dans l'attente que ça vienne de lui ou que ça vienne de l'autre. Alors, je ne sais pas si je peux me réjouir maintenant de le voir regarder passer quelqu'un avec envie. Mais je peux en tout cas sûrement le regarder, ce qui est beau. Et puis, moi aussi. Moi aussi. Je regarde ce qui est beau. Et ça ne remet pas forcément en jeu notre couple. Finalement, cette adolescente, elle m'a vraiment permis d'ouvrir que moi aussi, je peux faire des choses sans craindre de le déranger. Oui, j'ai confiance. J'ai confiance dans la solidité de base que je me donne et que je donne à notre relation. Alors moi, je dois reconnaître que cet après-midi m'a réjoui le cœur. Et ce qui m'a réjoui de cœur, c'est de voir l'évolution qu'on a fait. Ce petit incident-là, je la vois, la jolie fille. Elle voit que je la vois. Je vois qu'elle a vu que je l'avais vue. Enfin bon, tout ça, ça aurait pu foutre les vacances en l'air, c'est sûr. On se tire la gueule, on se claque les portes, on a la guerre froide pendant 3 jours. Oh là là, on attend le billet d'avion avec impatience pour repartir. Qu'est-ce qu'on a connu ça, mon Dieu, quel désastre, quelle capacité à se faire du malheur. Maintenant, ce qui me touche, c'est de voir que, il me semble que tous les deux, on a acquis une solidité, une profondeur dans la relation. Comme on se parle des vraies choses. Les choses de surface, elles sont légères. Et là, je suis heureux, parce que je vois qu'elle s'autorise davantage à être elle-même, et pas juste à me faire plaisir. Elle s'autorise à être elle-même, quitte à ce que ça ne me fasse pas plaisir. Eh bien, ça me fait plaisir. Figurez-vous, je me rends compte que voir qu'elle s'autorise à être elle-même, même si ce n'est pas forcément confortable pour moi, ben c'est bien ce que je veux. De mon côté, je m'autorise aussi davantage à être moi-même, sans avoir crainte toujours de qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va croire. Non, si elle n'est pas d'accord, elle le dira, puis on s'en parlera et on videra le malentendu. Mais je n'ai pas chaque fois besoin de vérifier est-ce que la cocotte minute est juste à point ou sur le bord d'exploser ou est-ce qu'il n'y a pas encore suffisamment de pression. Non, elle gère sa cocotte minute et puis elle me le dit quand ça risque de péter. On s'en parle et moi-même, je m'autorise donc aussi à faire la même chose. Là, quel bien-être, mon Dieu, quelle liberté, plutôt que d'être toujours en suradaptation par rapport aux craintes de ce que l'autre pourrait ressentir ou pas ressentir. Vraiment, je sens cette solidité, cette stabilité et ça me redonne confiance que si on peut vivre pour des petits enjeux comme ça, ben on peut nourrir cette même façon d'être ensemble pour des enjeux plus
qui représente des défis plus importants. Je me sens capable de relever des défis à nous deux maintenant, vraiment. Et je pense que j'ai juste envie de célébrer ça avec elle, pour fêter ces bonnes choses que l'on parcourt ensemble. Quel après-midi, hein ? Fou, hein ? Écoute, moi je veux te partager ma joie parce que je me dis que ce moment-là, anecdotique, ça aurait pu foutre la complète vacance en l'air, quoi. Mm-hmm. Tu râlais, je râlais sur toi, tu râlais sur moi, on se claquait les portes et puis c'est l'enfer. Ouais. Et là, je suis heureux de voir qu'on a pris un peu du grain. C'est... Bien sûr, c'est qu'un petit indice de la vie quotidienne, mais j'ai vraiment l'impression que d'être... C'est de donner l'occasion d'entrer dans l'intimité pas forcément confortable qu'on a pu traverser plusieurs fois, ben ça nous donne l'occasion de... d'une rencontre dans une amplitude comme ça, qui fait que notre relation semble bien installée sur ses bases. C'est pas une béquille, je suis pas là pour te compenser l'amour que t'as pas eu, t'es pas là pour me compenser le gorille solitaire que je sens parfois, et on est chacun sur une demi-béquille comme ça, à s'épauler, et si l'un tombe, l'autre se casse la gueule. Non, on est là, tous les deux solidement dans notre relation, à échanger le plaisir d'être ensemble, et non pas le manque l'un de l'autre. Eh bien, moi je suis émerveillé de ça, c'est ça que je voulais sentir et goûter. Hein? Moi, ce qui me plaît dans ces vacances-ci, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, ça aurait créé un conflit tout de suite. Et je me rends compte qu'en fait, on partage exactement les mêmes besoins, quoi. J'imagine que toi, t'as envie de te sentir vivant, et surtout pendant les vacances. Eh bien, moi aussi, c'est exactement pareil. Mais ça, je l'ai compris maintenant. Enfin, j'ai compris, tu vois, ma thérapie. Elle sert. J'en suis bien rassurée. Il a fallu un peu de temps, mais on y arrive. Je suis vraiment heureuse de cet incident-là qui m'a en tout cas vraiment permis de toucher à tout ça et de voir que j'ai même l'impression que ça a apporté un petit piment à nos vacances. Mmh. Tu vois ? Pour moi, ça vient vraiment cristalliser un cheminement que nous faisons qui nous invite à nous autoriser à être nous-mêmes dans la relation et à plus jouer un jeu de gentil qui prend soin au risque de s'étouffer complètement. Mm-hmm. C'est pas un peu ça ? Si. Mais je te remercie de tout mon cœur. Moi, je te remercie, puis je t'aime. Je t'aime aussi. Clôturer ces petits échanges, je vous propose de voir que, à mes yeux, nous entrons dans une ère nouvelle. Je veux dire que les siècles qui ont précédé nous ont permis de connaître toutes sortes de continents, découvrir la science, découvrir la matière, découvrir la nature, avoir du contrôle, la puissance sur des tas de choses. Il me semble qu'il reste un continent à découvrir, et c'est la relation. La relation vraie avec soi, avec l'autre et avec la vie autour de nous. Et que pour ça, nous sommes encore un petit peu débutants, que des apprentissages sont à faire. Nous avons acquis toutes sortes d'apprentissages pour découvrir des terres étrangères ou plonger dans la matière avec la science. On peut gérer pas mal de choses, pas toujours de la meilleure façon. Il semble que pour la relation, nous ayons beaucoup d'apprentissages à faire. J'en prends simplement pour preuve que j'ai fait longtemps moi-même un métier de relations humaines, comme avocat, et je n'ai pas reçu un seul cours de communication, ni de relations. Ni de gestion non violente des conflits. Je reçois beaucoup de personnes dans les stages, les formations à la communication non violente, qui sont à des postes importants de gestion humaine, avec de la souffrance, des difficultés, des tensions. Médecins, chirurgiens, chefs d'hôpitaux, infirmiers, mais bien sûr des gens dans l'entreprise, toute personne en contact, des directeurs d'école, etc. Ces personnes viennent me dire « je suis très compétent à l'extérieur de moi pour gérer, je suis chirurgien, directeur d'école, ingénieur, j'ai des équipes, je connais très bien mon travail, mais la relation, mon Dieu, aidez-moi à mieux gérer la relation, je n'ai pas appris ça dans tout mon cursus de formation. » Alors, je me dis simplement que ces choses sont là devant nous, des outils existent, bien sûr, j'apprécie énormément la communication non-violente puisqu'elle m'a personnellement bien aidé à transformer ma vie. J'aime
proposer de voir que nous ne pourrons pas indéfiniment produire de l'industrie, du commerce, des services, produire même de l'assistance, de l'éducation, du soin, sans travailler notre capacité à nous rencontrer et à nous aimer vraiment. Et que là, profondément, il y a des apprentissages à faire pour prendre conscience que dans une relation, il y a trois personnes. Dans toute relation, il y a trois personnes. Et c'est rare que l'on sache ça. Toi, tu es né à ta date de naissance. Moi, je suis né à ma date de naissance. Nous, aînés, quand nous nous sommes rencontrés. Nous, ça peut être un couple, comme on vient de vous jouer ce soir, mais ça peut être un enfant. Lorsqu'il apparaît dans le sein maternel, on se rencontre alors. Ça peut être une relation d'amitié, de travail. Nous, naît quand nous nous rencontrons. Nous, naît, nous grandit, nous fleurit, nous s'épanouit, nous instruit. Nous peut souffrir, nous peut tomber malade, nous peut s'anémier, nous peut s'atrophier, nous peut mourir. Si nous ne prenons pas soin de nous. Merci beaucoup. Excessivement bien, une très belle mise au point, mais toujours bien joué évidemment et avec beaucoup d'enthousiasme. Je crois qu'on va repartir là avec du baume au cœur. Et... Je suis venu avec grand plaisir et je pars émerveillé. Les problèmes sont, je crois, fondamentalement similaires partout et que chacun les gère en fonction du mode de vie qu'il a, la façon dont il a reçu une éducation, la façon dont il a parlé des parents, était intervenu dans la vie. Mais c'est d'excellentes recettes qu'on va essayer d'intégrer dans une vie stressante, d'essayer d'apporter une certaine prise de conscience de ceci et de la maintenir, ce qui n'est pas toujours évident. On se retrouve toujours dans ces situations. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est les trois temps qu'il a proposés. Chaque fois, l'expression de ce qui se passe dans le couple, le conflit, puis ce moment d'intimité. Il a tellement insisté sur la nécessité de retrouver cette intimité. Et puis le décodage à deux. Et ça, je trouve que c'est vraiment important aussi d'arriver à ça. Je trouve que l'aspect théâtral est fort intéressant, peut-être pour un public comme premier contact. Mais moi, je préfère un approfondissement. Et dans les discussions, j'ai trouvé cet approfondissement. Et je suis donc très ravi de cette soirée. Puis ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le côté métaphorique dans l'expression. Quand il parle de la cocotte minute, je trouve que qui implose ou qui explose, je trouve que c'est des images fortes qui donnent des tas de réponses d'elles-mêmes. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça a éveillé beaucoup de choses en moi. C'est vrai qu'il faut s'appliquer, quoi, parce qu'on oublie... Avec le temps, on oublie et puis on recommence les mauvais schémas et on retombe dans les mêmes pièges. Mais c'est vrai que la communication, c'est ce qui compterait et c'est ce qui nous manque. Parler, déjà dire ce qu'on ressent, ça me semble tellement fondamental et c'est pas du tout évident. Et au revoir. Au revoir.